Petite explication sur le site. Ici, les vidéos. Allez, on va choisir celle-là. Donc aujourd'hui, on La regarde pub, quelle on posture on peut l'enlève. faire lorsqu'on se sent On un agrandit. peu éparpillé dans notre tête et qu'on veut se calmer. Tous les cours sont classés par temps. 2 minutes, 10 minutes, 11 minutes. On peut aller jusqu'à 58 minutes. Voilà, ici ce sont les chakras. Donc, chakras, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, c'est 3, c'est 4, les chakras. On regarde les tutos des chakras. C'est 3 actions, par exemple. On veut savoir un peu plus sur ce chakra. Allez, on clique dessus. Si je vous dis Et les mots on nous explique tout. force, Sur ce puissance, chakra, c'est 0, ça veut dire tous les chakras. Hein. Ici, les postures qui vont avec le cours sélectionné. Si vous voulez par exemple des explications détaillées sur une des postures avec les erreurs à ne pas commettre, par exemple la planche, vous avez le tuto des postures classées par ordre alphabétique. On cherche la planche et on va sur la super planche. important. Et aujourd'hui, on regarde cette fameuse planche. Comment on peut la faire de Voilà, façon... donc les erreurs à ne pas commettre, on peut regarder ça avant de faire le cours. Ou passer directement au cours suivant. Bon, voilà. Alors, les effets, c'est les effets que génère le cours choisi. Il y en a pas mal. On va voir ça ici. Vous avez ici une liste, alors, thérapeutique, articulation, hypertension, immunité, sciatique. Tous les cours où il y a un effet sur la sciatique sont présents. Vous pouvez choisir dans les humeurs, humeur enracinement, vous avez besoin d'enracinement. On peut choisir aussi le chakra, hein, évidemment, pour l'enracinement. Tous les cours avec enracinement sont ici. L'équilibre, voilà, vous avez compris le principe. Divers, bon, abdominaux, minceur, pourquoi pas. Donc, le haut du corps, bon, le dos, les omoplates, les bras, le bas. Les hanches, psoas, le retour veineux. Bon, alors, si j'appuie ici, il me remet tout. Hein. Voilà. Si vous avez une idée précise d'un cours que vous voulez faire, par exemple, vous voulez travailler plutôt sur les hanches, il n'y a qu'à taper les 3 premières lettres, cliquer sur Entrée ou sur OK. Et ici, vous avez les hanches dans tous les cours qu'il vous présente. Vous pouvez taper plusieurs critères si vous voulez faire les hanches. Et vous avez besoin un peu d'action. On va faire le chakra 3, C3. Voilà, ici, donc on a les hanches et tous les cours avec du chakra 3. Ici, vous pouvez choisir l'intensité, doux, restaurateur, moyen. Vous avez mal à la tête, vous voulez vous taper tête. Et vous avez un peu de sciatique. Alors, SCI. Vous tapez les 3 premières lettres séparées par un espace, entrée ou OK, et vous avez le cours qui correspond. Avec les deux critères, donc tête, sciatique, vous pouvez en mettre comme ça autant que vous voulez, deux critères, il n'y a pas de limite. Par contre, si tous les critères ne sont pas dans un cours, évidemment, il apparaîtra rien du tout. On peut choisir aussi le temps dans les effets. Confiance, CONF, et vous n'avez que 10 minutes, vous pouvez faire 0,1. Et on a tous les cours qui varient de 10 minutes à 19 minutes. Ici, on remet tous les cours. Si vous voulez, vous appuyez sur OK, on remet tous les cours. Vous n'avez que 20 minutes. Vous voulez voir ce qu'il y a comme cours de 20 minutes? 0,20. Et on a tous les 20 minutes. Les intensités. On a Express. Express, donc c'est des cours de moins de 5 minutes, c'est à faire entre deux obligations comme ça pour se régénérer. Voilà, les restaurateurs, c'est pas vraiment des mouvements, c'est des positions à prendre avec souvent avec des accessoires pour générer les effets indiqués. Alors par exemple, on va rechercher un restaurateur, bah, tiens, on va le chercher là-dedans. On remarque que ce sont tous les cours restaurateurs qui sont là. Par exemple, celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu les positions. Il faut prendre des positions. Alors, j'enlève la pub. Voilà, c'est vraiment, ce sont pas vraiment des mouvements. C'est. Voilà, je pense que c'est bon.
ça, ce sont donc les intensités. Donc, j'en étais là. Restaurateur, doux, c'est cool. Moyen, c'est moyen. Et intermédiaire, c'est un peu plus avancé. Voilà. Donc, on a vu les postures. Si vous voulez une posture particulière, la chandelle, par exemple. Ici, tous les cours où on peut faire la chandelle apparaissent. Là, on a les respirations. Je ne vous ai pas parlé des respirations. Alors, les respirations, c'est pareil. Vous avez les tutos de respiration ici. La respiration de l'abeille, vous cliquez dessus et vous avez l'explication. Toujours la pub à enlever. Et voilà. Vous voulez sans tapis ? Hop, on a sans tapis. Ici, il faut une chaise. Tout cela peut se travailler sans tapis. Et ici, on va voir la recherche globale. Alors, la recherche globale, c'est un peu un résumé de tout ça. Vous pouvez ici taper absolument ce que vous voulez. Et par exemple, j'ai des cours qui sont à faire sur le lit. Je ne les ai pas encore classés là-bas. Si vous marquez lit, c'est classé. Vous voyez que c'est complètement interactif. Dès que vous tapez une lettre, il va chercher ce qu'il y a dedans. Donc, confiance, par exemple. Pareil, espace, vous voulez 0-10 minutes. Vous effacez, ça revient. Vous voulez du moyen, chaque intensité moyenne. Voilà, de 10 minutes, hein, et voilà. Pourquoi utiliser la recherche globale au lieu de ce tableau ? Vous voulez quelque chose que vous avez vraiment en tête, et la recherche est très rapide sur ce tableau-là. Souplesse en shadow, je connais le titre du cours parce que je le fais souvent, donc je veux le chercher directement, je tape souplesse et dos, très peu, et je le trouve directement là-dedans. Vous effacez, ça se met en place directement, donc pour la recherche, c'est très bien, quand on sait ce qu'on cherche. L'autre est plus intéressant si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et tout. On a les listes, qu'on fait un peu comme un menu au restaurant, on choisit, hein, on se laisse tenter. Allez, un peu de détox. On a la liste ici, détox, et en même temps, on voudrait de l'énergie. On va essayer les deux, tiens, voilà. Alors, on va essayer détox et de l'énergie aussi. Et on va voir s'il y en a. Oui, bien, il y en a. Voilà, il y en a, et on voit les autres effets qu'il y a dans tous ces cours-là. Hein. Une fois qu'on a ça, on regarde le temps qu'on a, l'intensité qu'on veut, et puis il n'y a plus qu'à faire le cours. Merci.